Nous allons goûter un Rivesaltes timbré qui s'appelle l'âge de raison. C'est un vin qui a été élaboré à partir de grenache gris, des vieilles vignes de grenache gris, sur le terroir argilo-calcaire de Vespeille. C'est un vin qui est vinifié à la base comme un vin blanc. Et on a fait en sorte d'arrêter la fermentation pour garder des sucres résiduels, c'est-à-dire les sucres naturels du raisin. Petit à petit, on a laissé l'oxydation se mettre en place. C'est ce qu'on appelle la période d'élevage. Et donc là, on va déguster un vin qui est, on va dire, un ordage, un Rivesaltes ambré. Donc la couleur est ambrée avec des notes cuivrées. Au niveau du nez, on est sur des notes assez évoluées de tabac, de cacao, de café également, des notes de torréfaction. C'est un petit peu surprenant pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est très flatteur au nez. Et ensuite, en bouche, on est sur un vin qui se veut toujours frais, même si on est sur un vin doux naturel, avec des notes de caramel et de cacao. Alors on le boit en général à l'apéritif bien frais ou éventuellement sur des desserts, surtout ce qui est à base de chocolat, chocolat au lait principalement, tout ce qui est à base de caramel pour les desserts, mais également sur des fromages type Roquefort pour jouer sur l'association sucré-salé qui est parfois un peu déstabilisante.